l'amour de Dieu et puis grand élan nous plus mener et estimer. Il va au-delà de la plus grande étoile, il atteint les plus bas enfers. Les coupables sont dans son poids, Dieu donne à son fils pour vaincre. Salut tous les serviteurs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Na apesi basale na nzambe bansombote na kombo ya Yesu Christo. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Nous voulons lire la parole de Dieu. O lingi totanga liloba na nzambe. Aujourd'hui, soyez patients avec moi parce que je peux prendre du temps. Le lobo ikelanga mpiko pete na koki kozwa mwa tango mingi. Nous ne voulons pas faire des choses de Dieu d'une manière superficielle. Mais nous voulons les faire d'une manière assez profonde. Amen. Nous voulons lire l'Apocalypse chapitre 6, verset 7
jusqu'à 8. Et quand je vais terminer le quatrième saut la semaine prochaine, Dieu voulant, je vais arrêter pour commencer à préparer la campagne. Et à ce moment-là, les autres prédicateurs vont prêcher, mais je vais arrêter les sauts. Je reprendrai cela après. Bongo, natangwana batei misusu bakokiko banda koteya na kotelemisa bilembonde na kozongela ngo sima. Merci. Lisons cela. Otanga yango. J'ai entendu au milieu de ici au chapitre 6 de l'Apocalypse, verset 7 à 9. 7 à 8. 7 à 8, oui. Sambo emoniseli motoba sambo kino mwa. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: viens. Je regardais, voici paru un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort. Le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Pour faire périr les hommes par l'épée. Par la famine. Par la mortalité. Et par les bêtes sauvages de la terre. Dieu notre Père céleste, bénis ta parole que nous venons de lire dans nos cœurs. Donne-nous l'entendement spirituel pour comprendre la prophétie. Afin que nos vies puissent te plaire sur la terre. Bénis tes fils et tes filles qui sont venus devant toi. Que chacun en tire une bénédiction. Selon les besoins de son cœur. Console ceux qui sont affligés. Pour ta gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Christ. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir, mes bien-aimés. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous sommes toujours dans notre quatrième saut. Nous vous avons montré que le système dénominationnel est un système antichrist. Tomonisake binoete lo lenge ya bibongisele ya makambo ya bibongisele ya lingomba babongisi makambo ezalo lenge ya bibongisele oye telemeli Kristo. Et c'est un système qui est antiparole. Ezalo lenge ya kobongisa makambo yo etelemeli liloba. Et c'est Rome qui est à la tête de ça. Loma ndaza na mutu ya nyonso wana. Et avec ses filles. Pe yena bana na ye abasi. Je veux dire, c'est l'église catholique romaine qui est à la tête de ça. Na ngina loba polele tezali lingomba na katoliko ya Loma ndezali na mutu ya makambo wana. Et ses filles, les différentes communautés protestantes organisées. Bana na ye abasi ndezali ba oyo ba mangomba ya ba missioni nyonso ndenge ba bongisa mi malamu. Et aujourd'hui les groupes de prière, les groupes de réveil sont entrés dedans. Lelo ba bibolo ya mabondeli, bibolo ya kolamukisa bango pe bakoti na kati. Et ils y vont tout bonnement, ils suivent tout ce que Rome dit à la lettre. Bazo kende penza malembe malembe mais bazo landa nyonso yo lo malobi ndenge kaka ya lobi. Et les écritures disent que ça soit Rome, que ça soit ses filles, les différentes églises organisées, tous seront jetés en enfer. Ma combien l'obiété est à la loma, est à la banana et à basi, n'gikolo ba mangomba, ndenge na ndengo, ba mi bongisi na ndenge na bango, banso ba ko bwa kama na li felo. Et au paragraphe 89, le prophète dit: na tuku mwambi na li bwa, mosakola lo biboye. Et ces jours où nous vivons,
Ça devrait nous remplir d'une joie ineffable et glorieuse. Comme cette petite femme samaritaine, quand elle a vu la parole du jour, et que cette parole du jour, qui était la lumière de ce temps-là, a touché la semence de la vie qui était en elle. Et ça perçait la semence. Et elle a éclaté de joie. Mais la Bible dit qu'au dernier jour, cet esprit antichrist va séduire de multitudes, séduira le monde entier. Molimoana motemelina Christo eko jimbisa bibele na bato eko jimbisa mokili mobimba. Cet esprit là Molimoana. Et la Bible dit dans Apocalypse 13 verset 8 pe Bible lobi na emoni selizomi na misatu mwambe. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Pe bafandi baso ya mokili bakosambela ye. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ba ye kombo na bango ekomamate na buku na bombo na mwana na mpate liboso oya bomama liboso mokili ejalisama. Et cette église là avec ses filles vont séduire tous ceux qui n'étaient pas en Dieu. Tous ceux qui n'appartenaient pas à Dieu seront séduits. Quoi qu'il en coûte. Mais les élus, on ne sera pas les séduits. C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne peut venir à moi à moins que mon Père ne l'attire. Et pour que le Père vous attire, vous devriez être d'abord en lui. Parce que c'est une semence. Avant que je sois né, j'étais dans mon père. Et toi, tu étais dans ton père. Et c'est la naissance qui t'a amené à entrer en communion avec ton père et à le connaître. Et c'est comme ça avec la vie éternelle. Ne peuvent avoir réellement la vie éternelle que ceux qui étaient en Dieu au commencement. Et s'ils n'étaient pas là, même s'ils voient la parole, ils ne viendront pas. Parce qu'ils ne lui appartiennent pas. C'est pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendront ma voix. Ceux qui étaient en Dieu, quand ils entendent la voix de Dieu, ils courent vers Dieu. Et au paragraphe 91, le prophète dit, il n'y aurait qu'un petit nombre dont les noms aurait été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. En paragraphe 91, Moussakola Lobiete, et qu'on a la caca, pas moi, moquen d'ambou, y'a bateau moqué, bah, oh, y'a bah, combo, na bangwe, komama, na boukou, na bombo, y'a moana, na patel, bosomo, kilimo, jalisam. Celui-là, Moutouana, si son nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, un élu, un même s'il peut errer dans le monde, et même s'il peut errer dans les dénominations, il va
de l'église baptiste, il sort, il va à l'église pentecôtiste. Après, il quitte l'église pentecôtiste, il va chez les assemblées des saints. Et il peut aussi sortir là-bas aller chez les Kimbanguistes. Il peut aussi quitter les Kimbanguistes aller chez Bima. Et puis il va errer. Il peut même quitter le Bima aller chez les catholiques. Il est en train d'errer. Mais si c'est un élu, dès que la lumière du jour frappe son cœur, dès qu'il voit la parole, son cœur lui dira: c'est ça pour toi. Il ne fera aucun effort pour croire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est lui dont le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est écrit avec d'une manière indélébile avec le sang du Seigneur Jésus. Il peut errer n'importe où. Il peut aller voir les moufoumous. Il peut aller chez les féticheurs. Il peut aller voir les marabouts. Il peut aller voir les chers. Mais un jour, dès que la parole de la vie frappe son cœur, il viendra sans doute. Et rien ne va l'empêcher de venir. Vous pouvez bourrer sa tête de toutes vos pensées, mais il viendra. Mais nous avions un frère à Bandundu, il était un prêtre catholique. Un jour, il a écouté la parole. Il a écouté le message de l'heure. Il était sorti. Et il était devenu un grand prédicateur. Vous voyez, mes frères. C'est-à-dire, son nom était là. Suivez les prophètes. Je suis toujours au paragraphe 91. Et quand la véritable confirmation de la vérité révélée de la parole de Dieu touchera le cœur d'un de ceux-là. Petango, kondimisama ya solo, ya liloba na nzambe oyo limonisami polele eko monisama tango eko simba moko na batu wana. Touchera le cœur d'un de ceux-là. Tango eko simba motema ya moko na batu wana. Il se précipitera vers l'eau et il ira là-bas avec le Saint-Esprit à toute vitesse. Akopotambango epaina mai. Il va y aller, poussé par le Saint-Esprit, et il va se faire baptiser. Vous ne pouvez pas lui dire autrement, parce que la parole révélée a touché son cœur. Écoutez les prophètes, et vous ne pourriez pas l'en empêcher. Parce que la nouvelle vie a fait son chemin. Alléluia. Alléluia. Donc, si la vie est en vous, bongo, ce qui bon moyen, ami Katina yo, ça va être manifesté. Bon moyen et comment on a polélé. Et qu'est-ce qui manifeste la vie? Bongo, et là qu'on y ne monte à Kabomo y polélé. C'est la lumière de la parole de Dieu. Et zande polé y a l'ilobananzam. Le prophète est en train de discuter avec un homme qui lui disait que tu n'as pas honte de dire que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le prophète lui a dit: mais c'est ce que la Bible dit. Et il lui dit: nous avons des preuves scientifiques qui démontrent que le monde existe il y a de cela 6 millions d'années.
Alors bitozana bitaliseli ya kohutana zebi oyo ezakola kisabiso ete mokili ezalaka deja esele kiba makiasi ya bilanga motoba. Le prophète nous dit, mais la Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un point, c'est tout. Mosako la lobi na ya bi ke na Genèse, moko moko elobami ete na ebandeli nzamba ke la lo la pe mokili suka kakawana. Mais la terre était informe et vide. Kasi mokili ezalaki na lolenge te eloko pe na kati te. Mais à l'intérieur, kasi na kati, il y avait des semences. Kati kuna ba mimboto ezalaki. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, petango nzamba lobaki ete tika ete pole ezala. Et que la lumière est sortie, petango pole bimaki. En disant que la lumière soit, ça pouvait prendre même des millions d'années. Nakolobaka tika ete pole ezala ekoki ozwa ata makiasi ya bambula. Mais quand la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, qui est la lumière, a touché les semences qui étaient enfouies sur la terre. Kasi tangu liloba na nzambe oyo bimaki na monoko na nzambe ete tika ete mimboto ezala esimbi mimboto oyo ezalaki ekangami ekoti kuna na se ya mabele. C'était la lumière. Ezalaki pole. Ça les a touchés. Pole yango esimbi mimboto. Et les arbres ont commencé à pousser. Pe banjete ebandi kotoa. Et les autres semences ont commencé à sortir leur tête. Mimboto misusu ebandi kobimisa mituna bang mituna. Par exemple, nous avons le prophète dit c'est pareil pour l'être humain. C'est un tube. Na tuku motoba na mitano mosakola lobiete ezali bongo pe po na moto ezande taliseli. Quand tout le brouillard du péché se dissipe, tango londende nyoso ya masumu ekimi, et que la vérité est révélée à cette vraie semence qui est là, pe solo emonisami polele paina momboto ya solo oya zali wana, qui a encore un germe de vie, oya za momboto eza nano kati na ngo na bomo ikati na ngo, et que la lumière de l'évangile peut la toucher par une vraie confirmation de la parole, pe pole ya sango malamu ekoki kosimba momboto yango na kondimisama ya solo ya liloba. Alléluia. Elle vivra. Momboto yango ekobika. Amen. Il y a de la vie en elle. Elle croira. Sans ça, elle ne peut pas vivre. Il n'y a pas de vie en elle. Kozanga yango, momboto wana ekoki ko bikate, bomo ipe kozala kati na yango te. Il n'y a pas de vie. Bomo yeza te. Le prophète dit, c'est nous qui ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Kosakola biete kokokana na ndenge komami na. Non, non, traduisez. Ces noms qui ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Abima koma oye koma mikati na buku na bon. Les noms qui ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Ma kombo oye koma ma na buku na bon mo ina mwana na mpate liboso mokili moja lisama. Ils viendront. Ma kombo wana bato wana bakoya. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est pour ça que Jésus reste assis là. Pona yango nde Yesu atikali afandi wana afandi. Et il continue son œuvre de médiation. Pe azoko ba mosala na ye ya kolobela. En attendant que la dernière semence entre. Nakozelaka ete momboto ya suka akota. Et il saura exactement quand elle sera touchée. Pe akoyeba penja penja tango akosimbama. Quand cette semence là sera touchée, tango momboto ane kosimba, le Seigneur le saura. Kolo akoyeba, le Seigneur saura que Thomas et ma semence mettra la lumière de la vie l'a touché et il a reçu la vie. Kolo akoyeba ete Thomas zali momboto na ngai sikoyo pole na bomo esimbi esikoyo asi azwi bomo. Il le saura. Kolo akoyeba. Tu ne peux pas croire en Jésus okoki kondimela Yesu te sans qu'il le sache. Nde Yesu azanga koyeba ete ondimeli. Si tu es une vraie semence prédestinée, soko za momboto ya solo oyo pona maliboso, les regards de Dieu sont sur vous. Misu ya nzambe za kotala yo. Tout ce que tu fais, il voit. Nyoso yo ozo sala kolo azo mona. Tout ce à quoi tu penses, il voit.
Et tout ce que tu dis, il voit. Parce que il est Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Zambi ye azalin zambe oyaye baka suka na likambo liboso likambo libanda. Vous voyez mes frères. Moni bandeko. Même Irénée. Ata Irénée. Il croyait comme cela. Andimaki bongo. Il croyait qu'incontestablement. Quand le dernier membre du corps sera entré dans le dernier âge. Abina eleko ya suka tango moi eteni na nzoto ya suka kokota. Cela la chose serait révélée à ce moment-là. Likambo angwe komoni sa mapolele na tango wana. Et nous sommes en ces jours-là. Pe tozwami sikoyo na mokolo yango. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus reste encore sur son trône de médiation. Talatina kolo Yesu atikali nano na ngbende na ye ya kolobela. Et ceux de la Pentecôte. Pe ba oyo ya kitela. Quand la semence de la vie les avait touchés. Na tango oyo momboto na bomo yesimba kibango. Ils avaient débordé de la joie. Esengo elekaki bango fuka. Ils étaient vraiment stimulés. Bakoma ki moto moto. Et c'est ce qui a fait que ces gens-là descendent de l'étage où ils étaient en train de sauter dans des rues comme des hommes ivres en train de parler en langue et d'autres langues encore. Yangonde salakete batuana bakitana ndako likolo epayi wapi bazalaki baba ndako pumba pumba kati na babalabala kosola kaminoko na sikana minoko na bankota mususupe. Et si nous prenons le cas du roi David, il était prophète. David était un prophète. C'est ce que la Bible dit. Et quand il a reçu la révélation de la parole, son cœur avait débordé de la joie. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Dans le psaume 16. Kati na nzembo zomi na motoba. Et nous lisons à partir du verset. Moi je commence à 7. Ngai na kobanda na sambo. Jusqu'à 11. Kino zomi na moko. Suivez bien David. Olanda David malam. Là il avait déjà vu, il était un prophète. Et Dieu lui a donné cette vision là. Et David a prophétisé. Dans le psaume 16. À partir du verset 7. Il dit, j'ai béni l'Éternel mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton saint, que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Esengo ezali ebele liboso nelongi nayo. Des délices éternels à ta droite.
biloko na elengi ya kosepela ya seko na seko na loboko ya mwasi na yo. Et là nous voyons que David avait débordé de joie. Wana tomoni ete David a tonda kine sengo. Parce que Dieu lui avait montré quelque chose de glorieux. Nzambi nzamba monisa ke loko moko na nkembo. C'est pourquoi il dit aussi mon corps repose dans la joie. Talatina lobi monzoto na ngai pe epe mikati na kimia. Et je me repose en sécurité. Pe, tu n'abandonneras pas mon âme au séjour de la mort. Pe, nazako pe makati na kobate la mamalamu. Poete yo okotika molimo na ngate na ewelo. David, quoi qu'il arrivait, mais il avait déjà vu la résurrection. David a teloko nine bandaki okome la ye, ye asia mona kineko lisekwa. Et sa coupe avait débordé de joie. Pe, kopo na ye etonda kinesengu. Et son cœur exaltait l'Éternel. Parce que Dieu lui avait donné une vraie vision de la corruption et de la résurrection. Et lui montra que quand Jésus viendrait, il mourrait. Et on va l'enterrer. Mais il ne permettra jamais que son corps voie la corruption. C'est lui qui avait entendu David parler, ce malade pouvait croire que David parle de lui-même. David a solo la peau na ye moko. Or qu'il donnait une prophétie pour la venue du Seigneur, pour ses souffrances, pour sa mort et pour sa résurrection. Zokande abandaki ndeko pese sakweli pona boye ya nkolo, pona boale ya nkolo, pona kokunda mapeli sekwa na nkolo. Et une fois, pe mbala moko, et la coupe de David avait encore débordé de joie. Et kopo na Daoudé et tonda ki meke na yesengo. Et les Philistins étaient venus en Israël. Ils ont emporté l'arche de l'alliance et ils l'ont emmené chez eux. Ba Philistins bayaki na Israël, ba kumbani na sanduku na kondimana ba memyangwe pana bango. Et ils sont allés avec l'arche de l'alliance. Ba kendeki na sanduku na kondimana. Et ils l'ont placé dans la maison de Dagon. Bakamatiango, Batiango, Nandako ya Dagon. Et Dagon, c'était un dieu poisson que les Philistins allaient adorer. Bongo Dagona, Azalaki Nzambe Mbisi, Oyo ba Philistia Bazako Sambelae. Et quand ils ont placé l'arche de l'alliance devant Dagon, Petango Bakamataki Sanduku ya Kondimana, Batiango liboso na Dagona. Le matin, quand ils sont allés dans leur temple d'idolâtrie. Et alors ils ont trouvé que Dagon était tombé et s'était cassé la nuque parce que notre Dieu est le Dieu des esprits de toute chair. Et Dagon n'était pas digne d'adorer. C'est une idole. Peut-être il avait mis de mauvais esprits. Mais le matin, donc Dagon voulait adorer. Et il s'est écroulé par terre. Et il s'est cassé la tête. Et les Philistins ont déplacé l'arche de l'alliance de cet endroit-là. Et ils l'ont amené dans une autre ville. Alors Dieu a frappé cette ville-là de fléaux cuisants. C'était terrible, mes frères. Ils avaient des choses qui les sortaient sur les bras. Il n'y avait pas moyen de s'en débarrasser. Parce qu'il n'était pas digne de porter l'arche de l'alliance. Mais c'est terrible, mes frères. La parole, ça devrait rester dans la cité de David. Et la parole n'était pas à sa place. C'est tout un problème. La parole
Elle devrait rester en Israël. Elle ne devrait pas aller là-bas. Sinon, les gens vont tomber à la renverse. Ils vont tomber à la renverse. Ils ne comprendront pas. Et ils ne sont pas dignes. Ce sont des idolâtres. Ils adorent les statues, ils adorent les hommes. Ce message ici, ils ne peuvent pas le recevoir. Si vous allez le prêcher là-bas, ils ne comprendront pas. Ils vont tomber à la renverse. Un jour, j'avais été invité dans une convention des protestants. Et je suis allé prêcher là-bas. Et j'ai prêché le Dieu de cet âge mauvais. J'ai prêché. À un certain moment, j'ai vu les gens étaient calmes. Et puis moi j'ai continué. Et puis après j'ai arrêté. Et j'ai fait appel à l'hôtel. Et ils sont venus. Et j'ai prié pour eux. Et je les ai laissés. Après ils sont allés dans les réunions. Ils ont dit, Balobi, Mendani. Kasi kati na matea yango kuna kilulu mubai mwa nyama mabeza na kati kuna choma ro nyama wana zo tuba motema azako nyonga motema c'est ça le problème deli kambwa ce message sangoyo c'est pour les églons ezapo na bana po c'est pour les élus ezapo na bapona ce n'est pas pour les faucons ezapo na bayanganga te. Ça va les choquer. Et ils auront des vertiges. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Et David maintenant a jugé qu'il devra aller chercher l'arche d'alliance. David Sikoyo. Et ils sont allés transporter l'arche d'alliance. Quand il a vu l'arche d'alliance revenir, il a vu la parole en train de revenir. Et une joie ineffable avait envahi son cœur. Et David a commencé à danser devant l'arche et à sauter. Parce que la parole était revenue dans sa cité. Si quelqu'un était dans le monde, si vous regardez en arrière, dix ans après, 20 ans après, vous voyez ce que vous étiez. Et vous voyez ce que Dieu a fait de vous aujourd'hui. Vous allez déborder de joie. Vous ne serez jamais triste dans l'église. Écoutez les prophètes. Il dit ceci. Allô, Biboy. Au paragraphe 103. Je pense que n'importe qui serait un peu stimulé de voir qu'après toutes ces années, na banzi atamu tunani ako yitonda de sengoto ako chamusa makomona ete simana bambula nyoso yo. Voilà que la vraie parole. Selon la promesse qui avait été faite, était apportée et confirmée. Quel temps glorieux! J'aime le Seigneur. Est-ce que vous aussi vous aimez le Seigneur? Alléluia! Car nous voyons ce qui était caché depuis la fondation du monde. En train d'être révélé, nos cœurs sont pleins de joie. Amen. Nous
Nos cœurs sont pleins de joie. Moi je suis plein de joie. Et parfois la maladie vient, ça triste mon cœur. Mais quand je pense aux promesses de Dieu, et je regarde en arrière là où j'étais, mais je vois que Dieu m'a aimé outre mesure. Comment il a pu changer un vaurien comme moi? Nous avons lu dans les Écritures que quand il ouvrit le quatrième sceau, alors le quatrième être vivant a appelé Jean. Il lui dit: viens et vois. Bongo, ezali na bomo ya mine ya benga ki yoani pe alobi yaka pe omun. Et c'est l'agneau lui-même qui a ouvert les seaux. Pe ezali mwana mpate yemei nda fongola ki bilembo. Personne d'autre ne pouvait le faire parce qu'il n'y avait personne de digne au ciel, sur la terre et sous la terre. Mutu mususu akokaki ko fongola bilembo te po ete kuna na lola. Il n'y avait personne qui était digne. Mais maintenant, le quatrième être vivant appelle Jean. Il vient voir le quatrième mystère du plan de la rédemption. Et l'agneau est en train de briser le sceau à ce moment-là. Et l'agneau on l'a montré à Jean sous forme de symbole. On ne sait pas s'il avait compris ou pas. Mais il avait écrit ce qu'il avait vu. Mais seulement c'était un mystère. Et l'agneau est en train de l'ouvrir. Écoutez le prophète au paragraphe 107. Et pourtant Dieu n'allait pas encore les révéler. C'était réservé pour les derniers jours. Alléluia. C'est pourquoi le prophète dit: si on m'aurait demandé à quel âge voulez-vous vivre, moi j'aurais choisi cet âge parce que c'est un âge glorieux où Dieu lui-même est en train de dévoiler les secrets de son royaume. Or on a eu des symboles. Donc bililingi. Ok. Et on a cherché à les sonder. Balukaki kokota na bojindo na ngo. Et on s'en est assez bien sorti par moment. Pe na tango moko to bimaki kati na ngo na ndenge ya kolonga moke. Mais nous savons que cela a continué à avancer. Seulement là, dans les derniers jours, nous pouvons regarder en arrière et voir ce qu'il en était. Et c'est ce qui a été prévu pour la fin de l'âge de l'Église, juste avant l'enlèvement. Alléluia. C'est ce qui a été prévu avant l'enlèvement. Et pourquoi ce mystère qui était caché tout le long des âges devrait être révélé maintenant au dernier jour? C'est pour préparer l'épouse qui doit aller dans l'enlèvement.
Et l'épouse ne passera jamais par la tribulation. Je descends au paragraphe 108, suivez les prophètes. Il dit, l'épouse ne passera pas par la tribulation. Alobi, moi si na libala, a kolekate na nzela na monyoko. Alors qu'elle n'a pas un seul péché. Nzokande, moi si na libala, a talisumu moko azana ngote. L'église, elle va passer par la tribulation. Kasi lingomba, lingomba yango e koleka na monyoko. Mais je parle de l'épouse. Elle n'a aucun péché contre elle. Azat, moi si na libala azata na lisumu moko te oye tangamelie. Non. Elle n'a aucun, pas un seul. Et ata lisumu moko ezate. Elle en a été blanchie. Ye aye isamaki pembe asia longoli samaki lisumu. Il n'en reste même plus l'odeur. Ayo kakata solo ya lisumu lisusu. Plus rien. Ils sont parfaits devant Dieu. Alors pourquoi passerait-il par quelque tribulation que ce soit pour être purifié? Nabongo. Pona nini akoleka na monyoko ata ya ndenge nini po ete ye apetolama. Mais les autres, l'église. Kasiba susu. Lingomba, elle passe par la tribulation. Lingomba yango ezole kana kone na monyoko. Pas l'épouse. Mais moi si na libala yete. Elle ne passera pas. Moi si na libala koleka na monyoko te. La Bible dit. Bible lobi. Ce qu'il a appelé. Baye abianga kibango. Il les a justifiés. Alongi sakibango. Ce qu'il a justifié. Baye alongi sakibango. Il les a déjà sanctifiés. A bulisi bango. Et ce qu'il a sanctifié. Baye abulisi bango. Il les a glorifiés. Akumisi bango. Alléluia. Des fils et des filles de Dieu. Bana babali pe bana basi ya Nzambe. Appelés. Par le message de leur temps. Na sango, ya tango na bango. Non, aucun péché. Baza na lisumu ata mokote. Ils sont sous le sang de l'agneau. Bazwami na se na makila ya mwana mpate. Et ce message. Pe sango yo. Ce message, ma soeur. Sango na tango yo. Ce message, mon frère. Sango na tango yo de komobali. C'est le sang du Seigneur Jésus. Yango nde makila yankolo Yesu. Aujourd'hui. Lelo. Être en dehors de ce message. Kozwa malibanda ya sango yo. Vous êtes en dehors du sang de Jésus. Oza libanda ya makila na Yesu. Que ceux qui croient ça disent amen. Aye bandimi yango baloba amina. Quand quelqu'un est hors du message de son temps, tango mutuazwami libanda na sango ya tango na ye. Il est en dehors du sang de l'agneau. Aza libanda ya makila ya mwana pate. Alléluia. Combien comprennent ça bien? Batoboni basosole yango bien. OK. Je vais le répéter pour que ça pénètre. Na lingina zonge lango po ete ekota. Cherchez-moi la prédication à l'enlèvement. Cherchez ça. Cherchez-moi la prédication, l'enlèvement. Nous voulons lire ça. Tolingito tanga litena mosakoli konetolama. Est-ce que vous voulez aussi le lire? Tolingipo botanga yango. Nous voulons lire ça. Totanga konetolama. Vous êtes en dehors du sang du message de l'air aujourd'hui. Soki yo lelo ozali libanda na makila oyo ya sango malamu na tango. Donne frère Cindy va lire. L'enlèvement. Allez au paragraphe 75. Descendez. Kende na paragraphe tuku sambo na mita no pekita. 175. Kama tuku sambo na mita no pekita. Suivez ça bien. Olandango bien. Moi je vais interpréter cela en lingala. Ngana kolimbo lango na lingala. Je voudrais que vous compreniez. Na lingete boso sola malam. En dehors de ce message. Ete libanda na sango yo. Il n'y a pas d'expiation. Mbondi ezalite. Continuez. Donnez-lui même ce micro-là. Donnez-lui pour qu'on aille vite.
L'enlèvement prêché le 4 décembre 1965. Paragraphe, ça c'est pour cinq. L'Éternel puissant dans la bataille. Les portes s'ouvrirent immédiatement. Et Jésus. Wana Yeso sekwi bazako kendo kotra bikoke na manjiriti bongo ba santu na kundimana na kala bazali sima na ye bazali kunganga ete bino bikoke na seko botombo na mitula bino ete mukoro na guyanyoso alija kota kende liboso les conquérants amena captive la captivité ete mulongi akamati buloko akanyisi agupena buloko et ce qui avait cri en lui et à qui la parole était venue baoy bandibera kiye pe bango lobo na nzambe yake pai na bango les saints de l'ancien testament et ba santu na kundi mara kala était couché là balala kiwana et attendait pe babadaji kuzira. Ils amena captive la captivité. Bongo akamataki buloko akamati lifero akanjisi yango akanji buloko. Et abani ukendra yango. Et lero uziramuke. Bongo jiba kanga yona buloko. Metangu ya ye akamati kaka buloko yango buloko. Ati yango na buloko. Yo zari kusakana. Yesu azali musakuri kakate azali nzambe batuboni bandimiete Yesu azali nzambe eske Ezaya azali musakuri batuboni bandimiete azali musakuri Abraham azali musakuri batuboni bandimiete Joseph azali musakuri même Jacob même Isaac kasi bazawapi. Est-ce que tu es pour Azali Moussakouli? Batouboni, tu es pour Azali Moussakouli? Azawapi. Kasiye tangwaye, akamati yango, akanyisi yango, amemi yango. Yo kende liboso. Et il se leva. Telemaki. Il prit les siens de l'Ancien Testament et entrèrent. Il y a un enlèvement qui est déjà passé. Nani Olanda bien. Akeikuna akutibango balali bazali ba oyo bayoka kimungongo banjimili loba. Pe banjimili ye ba oyo loba eyake paina bango. Akamati mansantroni akunimana na kala abanji kukende na bango. Omoni elijikuru bana tangwana paradis ezali supprimé paradis ezali susté batuboni basosto ligambo yango ngai na kuté yote soki okufi okay na paradis jamais na kuté ya yo ete soki okufi okay na région de béni esika babula mi bazali ba oy musakuri na tango mona kibango kuna musakuri na tango akendaki na paradis. Tangu Yesu akufanya sekui paradis wa aziba santo e bazaku zira kuna akeira ba e ma sœur est-ce que yo ki bien okay. Kende liboso ça c'est un 6. L'enlèvement suivant omoni wana oya ba santo wana ezali moko na kunetulama landa enlèvement ya mibale. L'enlèvement suivant comme décrit dans les dans des Thessaloniciens et pour l'église l'épouse elle doit ressusciter d'abord pour être en feu et zali pona lingomba pona mwasi na libala mwasi na libala esengeli asekwa nane pwete lubiete bakufi kati na Kristo bakusekwa liboso. Fais Bible et l'oubli sont ton coubaré, ma mousse de la tête. Attends, ton coup pour moi, ton sepeli, Kassibango, ma mousse de la tête. Pour
être enlevé dans la gloire. Nous les vivants qui demeurons encore, c'est le corps qui est laissé ici sur la terre. Nous ne devancerons aucunement ou ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont endormis. Pasteur Wawina, pasteur Gondé, pasteur Odia, tango bakuse kwa mon frère. Yo na ngai attendeng ni tokubare bangozela de. Biso tokuzala sotie ye lelo tolobi. Tolari nanute aso biso ndenzoto ye tikale na muti. Tadi eteni na nzoto ye tikale na muti. Oyebite esko zali nzaka, ozali suki toyebite, toza musapi mutumo kwa yebite. Car la trompette de Dieu sonnera premièrement et les morts en Christ ressusciteront. Puis nous, les vivants qui demeurerons, nous serons ravis ensemble avec eux. L'autre jour, ça c'est 77, hein? Oui. L'autre jour, je me tenais au coin de la rue et je regardais le défilé du jour de l'armistice. OK. Ah bah nous ça voulait dire que mon kolomoko azali kutala défilé ya mukolo yo ba pesa kabatu busomi. L'armistice c'est la liberté. Madame Koulibéré Bato, Moussa Koulia Télémi, Azalou Koutala Bato, Madame Koudéfilé, Yolanda bien. Et quand il monta la rue, j'étais là avec mon jeune fils Joseph. Batoana, Ezaliba militaire, ma vétéran, Moussouma Koulabangue Katani, Moussouma Boko, Moussouma Zouadi Massati, Pemeni Aliso, Poudria, Ya Massati, Boumissounaye, Bazalou Koutambour Nanzela, Ya Télématiwana. Premièrement, ce furent les vieux tanks de la première guerre qui passaient. Des vieux petits tanks. Après cela, vers les gros tanks Sherman de la nouvelle guerre et les grands canons avec leur bouche à feu. Si ma moni ba tank ya minene et puis a moni du corona ya ngoba canon ya mono komunene oyo bi misaka masasina moto ezaku kene mbala moko et bon za ku moni ya ngweza ku beta na Gaza na Cisjordanie pe na l'Ukraine et ainsi de suite na bongo na bongo. Après cela, virent les soldats et les maires de l'étoile dorée. Si ma moni, soit dans mon quoi télémi, awa mamanaye, alati frère moko ya rose, lukula muzot moko ye, et pakula mi malamu, oi ba bonjisi lulenga yangu malamu, po azaruku kanisa, mubari na yaku fatine tumba, to mwana yaku fatine tumba. Alors tu frérois na bangou pibaza katela défilé. Kendeli boso. Et ensuite vient un char qui portait sur la partie avant un cercueil. Pensi ma char mo kwaye. Kuna liboso batika mo cercueil mo kenza ku tambola. Pour commémorer les morts du soldat inconnu.
un seul temps qui se tenait là. Bazar kukani sakufa ya mubundi moko akufakine tumba. Etan kaserke ya mukezali wana bongo militaire moko a terma ki pembele na yango. Un soldat qui se tenait là faisant la garde. Oh militaire moko azar kubatela kamwa serke ya moko wana bazar kulekana défilé. Il y avait un fusilier marin d'un côté et un marin de l'autre. Bongo bazar ki na baba ti babundi bango ya makasi. Une requête écrite et de l'autre côté une mère de l'étoile dorée était assise. Bongo ba komaki erokumoko lokola musenga na ngambo mususu mama oyo alati rose na ye kitoko afandi wana. Elle avait perdu son garçon. Abundi saki mwana na ye katine tumba. Il y avait aussi une jeune femme qui pleurait. Ezaki pene lenge mwasi moko. La tête penchée sur une table. Bongo ati mutraye na mesa azali kulela. Un petit garçon ayant été assis à côté. Bongo elenge mubali muke alati bilambe pasuki pasuki oyo tubyanga balambo afani peme na mama wana mwasi oyo elenge azali kulela. Des larmes coulant sur son visage. Bongo pisoli. Il avait perdu son papa. J'ai pensé, quel est triste alors que je me tiens ici, regardant cela. Je vois ces quelques soldats âgés qui marchaient là, tout estropillé. Bongo, à Moriba Paka, ya basoda. Oui, bazo kakine tumba, babuji bango makolo, baza kutambula boye, bazala kipenza makolo bango ebukani, ekoti kutambula lisunga la mute. Mais montrant avec fierté leur uniforme. Bongo basoda wana, tango azali kutambula boye azali mutengomi, azali na bagalo na mapeka, alati uniforme na ta, alati uniforme na ye, kuna kiseta azali mubunji munene, to azali armée de l'air. Toi, tu as l'infanterie, toi, tu as marin, toi, tu as commando corps à corps, tu as le galop, qui soit dans la bango, et ça qui n'a pas fait la bango. Tu as le tengouma, mais tu as le kisa, nali tundu nyoso, mulatu na ye, ya kutali seta, tu as le mubundi. Pourquoi? Parce qu'ils sont américains. Alléluia. Pour basalaki bongo pete bango bazaki batu America atabukani makoro atazali kutenguma atali soye kufaki atabakata kemi sapi meza azanali tundu yakula kisa uniforme na ye pete ya zara America azali kutenguma azali kutala bino na uniforme na ye pete azanali tundu na mbuka na ye yokendele boso 178 landaswe musakuri bien. J'ai pensé, oh mon Dieu, bongo, musakuri alubita ngona moni bango, nakanisye nzambe nangai. Un jour il y aura une déflagration. Alléluia. Alubina badaku kanisa ye nzambe nangai. Mukoro moko kupasuka makasi ya munene ekuzala. Une déflagration qui viendra du ciel. Alubie zalu kito moko ya kusakarate ekuta na lola. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh, Bakufi, Katina Christo, Bakuse Kwaliboso. Ces saints de l'Ancien Testament qui attendent là-bas une déflagration. Et Zaliban Santo Yakuniban Lakala. Oh, Bazal Kuzila Kuna. Oh, Yolo Kito, la Kupasuka Mounen. Écoute, Analoala. Sortiront de là premièrement. Pour entrer dans la résurrection. Bakumi makula batuna liboso. Tozal kulela kuyoka mawa mulinga bya kufi kwete kukabona na zoto ezali pasi. Mais bango danguli kitumuneni ya kupasukwa ne kuya bakusekwa liboso. Nous nous mettrons en ligne et nous irons dans les cieux. Na bango na biso. Donc quand on a défilé mon nene ya tango, et qu'on a défilé mon nene,
ya bileko na bileko tokutema na mulongo baliter bakuzala alleluya bakolomba bakuzala bayerene bakuzala baporo na bapetelo bakuzala mari oyo bota Yesu akuzala kende liboso ce vieux corps mortel changé devenu semblable au corps de sa gloire. Oyo zoto ina kufa e kubungwa ni sama e kukoma ndenge boku na zoto ina kembo. Quel défi ce sera quand il commencera à se diriger vers le ciel un de ces jours. Oh e kuzala défiler ndenge nini tangu bakubanda kumata kukendera lola moko na mikolo yo musabula za kusorola na 1965. Dans ce temps de l'enlèvement qui est devant nous. Oh, na tango ina kuretu la ma. Oh, yezari li bosu la biso. Oh, montrant fièrement le sang de Jésus-Christ sur leur poitrine. Alléluia. Alléluia. Va militaire américain. Montrant fièrement le sang de Jésus-Christ sur les poitrines et le message de Dieu de leur temps. Et le message de Dieu de l'air dans lequel ils vivaient. Attendez. Ba militaire américain, tango ba sali de filer na bango, ba za ku tali sa uniforme na bango. Mais tango de filer na biso kuya, to ku tambula na litundu, to ku tali sa na na litundu nyoso makira na Kristo nikolo na toro na biso la madamu sakoli la ndabiamu sakoli montra fierma sur leur poitrine le sang de Jésus yo yo kama kira na Yesu yango landa le message de Dieu de l'air dans lequel il vivait. Et vous allez m'attirer la Christouana. Et vous allez sanguna tango. Moutra moutra bikati. Baoi na liter bakuzala. Baoi na por bakuzala. Alléluia. Baoi na yerene bakuzala. Baoi na wesrei bakuzala. Isopeto kuzala. Alléluia. Na m'attirer la Christo. Na tour la biso. Makira na Kristo wana ezali sango malamu na tango na suka oyo na ngai tozali kubika na kati lelo soki muntu azali libanda na sango malamu na tango na suka azali libanda na makira azali libanda na mbonji ya kurungula masomo. C'est le moment que nous attendons. Alléluia. Frère. Alléluia. Batouboni. Bazal Kouzi l'enlèvement. Gaïla Zal Kouzi l'enlèvement. Merci, merci. Nous attendons l'enlèvement. C'est le moment que nous attendons. Est-ce que vous aussi vous l'attendez? Oh, Gaï, Nazar Kouzila Yango. Moi, j'attends ce temps-là. Je suis en train d'attendre cela. Nazar Zela Yango. Ça me donne la joie. Même quand je suis malade sur mon lit, je sais que si je meurs, je ressusciterai. Si je ne meurs pas, je serai dans ce défilé-là. C'est le moment-là que nous attendons. Tango wana ndetozo zela. Que ceux qui croient ça s'élèvent et disent merci Seigneur. Bae bandimi ango batele mabalo ba batondi kolo. Alléluia. Ne jouez pas avec ces messages. Yo sakana tena sangoyo. Suivez les prophètes. Landa mosakoli. Donc ça, suivez bien les prophètes. Il dit le pause ne passera pas par la tribulation. Je suis au paragraphe 109.
Na komi na paragraphe kama na libwa mwasi na libala akoleka na monyoko te. Elle ne va pas passer par là. Akoleka wana te. Mais l'église passera. Mais lingomba ekoleka na monyoko. Il dit regardez Noé. Alobita la Noa. Qui était le type de ceux qui sont transportés. Oyo azalaki elilingi ya baye ba mema. Quand il est sorti, il est tombé dans le péché. Dango abimaki akoyaki kati na lisumu. Et ils ont effectivement traversé le déluge. Bango bakati saki penza na tembete pela. Mais Enoch est parti avant. Kasi Enoka ya kendeki liboso. Lequel était le type des saints qui partirait? Enoka yeoyo azalaki elilingi ya basantu baye bakokende. Avant la période de la tribulation. Liboso tango ya monyoko ekoma. Alléluia. Enoch. Enoka. Dieu lui dit va travailler l'arche. Nzamba lobinaye kendo sala bwatu. Il va pleuvoir. Mbule kono. Le monde entier va mourir. Mokili mobimbe kokufa. Mais kasi prépare l'arche. Kasi yono abongisa bwatu. Et il a préparé l'arche. Abongisa ke masua. Et lui sa famille sont montés dedans. Noa na libota naye bakoti na kati. Et la tribulation est venue là, la pluie a commencé à tomber. Bongo monyoko eyeyi mbule bandiko noka. Alors l'arche tanguait de gauche à droite. Bwato to masua bandaki kota kotenga tenga ngamu na ngamu. Et parfois ça se soulevait. Tam susu masua ezo tombwa. Ça se cognait contre les pierres. Et tout allait na mabanga. Pas Enoch. Mais Enokate. Mais Noé. Kasi Noa. Pendant qu'il fabriquait l'arche. Tango azalaki kosala masua. Il observait Enoch. Azako tala Enoch. Dès que Enoch est parti. Tango kake Enoch akei. Et c'est terminé. Et si. Noé savait. Noa yebaki. Que le moment est venu. Et tango ekoki. Alléluia. Quand l'épouse partira. Tango mwasi na libala akokende. C'est terminé. Et si. Les églises le sauront. Mangomba bakoyeba. La vierge force saura que c'est terminé. Moseka na bolema koyeba ete si. Ne croyez pas qu'ils ne le sauront pas. C'est pourquoi nous ne voulons pas jouer avec le message. C'est notre vie. C'est notre joie. Le message, c'est ça notre vie. C'est notre purification. C'est notre pardon du péché. C'est notre résurrection. C'est notre enlèvement. C'est notre millénium. C'est ce message ici, mes frères. C'est ce message. C'est pourquoi je vous exhorte toujours. Tango nyonso ndetina na ileni sagabilo tango nyonso. Croyez le message. Kolobaete bondi masango malamu. Et vivez le message. Pe bobika sango malamu. Parce que l'épouse ne passera jamais par la tribulation. Pwete mwasi na libala akoleka soko mokete na monyoko monene. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ososo leo na lobi. Merci, merci. Que Dieu puisse vous bénir largement. Tikanzambe apambola bino mingi. Vous voyez quand le premier être vivant a ouvert le seau. Bomoni tango ezalina bomo ya liboso afongolaki elebo. Le premier être vivant, je veux dire, quand il a appelé Jean, viens et vois. Na ngina lobande tango ezalina bomo ya liboso abengaki Yohani yaka pe omona. Jean est venu. Yohani aye. Il a vu un cheval blanc. Amoni mbalata pembe. Et quelqu'un qui montait ce cheval. Pe moto moko amati likolo nango. Avec un arc. Azalaki na litimbo. Mais il n'avait pas de flèche. Mais azalaki na mbanzite. Et avec un aspect inoffensif. Azalaki pe na lolenge ya oya koki kosala mabete. Mais on lui a donné une couronne après. Mais si mabapeti e motole. Mais c'est terrible, mes frères. Ezama tata bande. Et puis il est parti en vainqueur. Et pour vaincre. Alors qu'il n'avait pas de flèche. Mais c'était l'Antichrist. Quand le deuxième être vivant appelait Jean. L'être vivant à l'aspect d'un veau. Jean est venu. Pour voir.
Il avait un cheval de couleur rouge. Oyo, ya langi ya motane. C'était terrible, mes frères. Zalaki matata. Et cela représentait déjà le sang. Yango la kisaki déjà makila. Et le cavalier est venu. Momati na balata pe aye. Lui, on lui a donné le pouvoir yeba pesi yebo konji de faire du mal. Yako sala mabe. Et il l'a fait. Et le troisième être vivant est venu. Quand il est venu, on lui a donné aussi le pouvoir. Il a commencé à vendre la vie éternelle. Mais il lui avait été interdit à ne point toucher. Il ne pouvait jamais toucher à l'huile et au vin. Nous avons vu ça dans les Écritures. Que le vin représentait la stimulation de l'Évangile. Et l'huile représentait le Saint-Esprit. C'était terrible, mes frères. Il avait interdit. Là, nous avons vu que ce n'était plus l'être vivant qui parlait. Mais c'est l'homme qui était au milieu des êtres vivants. Il est encore là en train d'intercéder. Il est encore là. Et il était en train d'intercéder. Et c'est ce que nous avons vu. Ils étaient là en train de protéger l'Évangile. Et leur position en Orient, c'était un lion. En Orient, c'était un lion. Car le message est venu maintenant parmi les nations. Mes frères, c'était un veau. Nous avons vu qu'à cet âge-là, on a tué 68 millions de protestants. Nous avons vu ça. Et nous avons vu ici, avec Martin Luther et Wesley, que c'est l'âge de l'homme. Et l'âge des ténèbres. Et l'âge de la sagesse de l'homme. Et l'âge de l'intelligence humaine. Mais ici, le quatrième être vivant, c'est un aigle. Azande Mpongo. Alléluia. Et il était un prophète. En Occident, ça sera quoi? Au nord, c'était un veau. Et au sud, et c'était l'être humain à la face de l'homme. Mais ici, au coucher du soleil, nous avons la civilisation du coucher du soleil. Nous avons l'évangile du temps du soir, montrant que tout va terminer maintenant. Même si les ténèbres viennent comment, l'être vivant, le quatrième être vivant qui a fait appel à Jean à la face des nègres, afin qu'aucun mal ne soit dissimulé. Alléluia. Ils étaient en train de protéger le livre des actes. C'est à partir de ces quatre évangiles que le livre des actes avait été écrit. Beaucoup na ba misala na bantoma beaucoup yango e komamaki.
parce que c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Pwete yangweza la kinde misala ya molimo mosantu kati na bantoma. Et est en train de garder et de veiller à ce que la parole de Dieu ne soit pas tripotée. Bongo bango bazala ki ko kenge la pe ko bate la ete lilo bananzambe bakata kata kata yango te na ndege ya bato. Non 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 non. Ce n'est pas correct. Eza eko kite. Ce n'est pas correct, mon frère. Eko kite nde ko mobali. C'est pourquoi quand le quatrième être vivant a appelé Jean, viens et voir. Dalatina tango ezali na bomo ya mina benga ki Yohani yaka pe omona. Et celui-ci est le dernier cavalier qui a est le dernier cavalier qui chevauche le même cheval et qui irait toujours le même cavalier, mais dans des étapes différentes de son ministère. Oya zali mombati na mbalata ya suka azo mata na mbalata kasi ezali kaka mombati na mbalata ngo moko azo le kakati na babita biteni na tango ekese. Mais le quatrième être vivant révèle maintenant cet antichrist. Bongo ezali na bomo ya minei azo monisa motemeli na Christ ango ana polele. Il montre les âmes sur l'autel et puis les et puis il montre comment les gens frapperont la terre. Bongo azola kisa milimoyo bazana se tumbelo pe azomonisa ndenge nini boloje kobeta mokili. Et il montre le départ de l'église. Azomonisa pe ndenge nini lingomba likokende. Le départ de l'épouse à la fin de l'âge. Komonisa kokende ya mwasi na libala na suka neleko. La fin des nations, la fin de toutes choses. Suka na mabota suka pe ya makambu nyonso. Quand l'épouse sera enlevée. Na tangoyo mwasi na libala konaeto lam. Alléluia. Et il est en train de dévoiler ça. Pe azo la kisango nyonso ana polele. Et il est en train de dévoiler comment les coupes seront déversées sur la terre. Pe azo la kisandenge nini ba kopo ekosopana na mokili. Vous voyez mes frères. Moni bande. Le livre de l'Apocalypse. Buku ya Emoniseli. Montre les choses qui ont été. Ezola kisama kamboyo ezalaka. Et montre les choses qui sont présentes. Ezola kisape makamboyo ezole kanasikoyo. Et montre aussi les choses à venir. Ezola kisape makambo ekoya. C'est un livre prophétique. Ezabuku ya masakoli. C'est pourquoi ça n'a pas été correctement sondé par les réformateurs. Talatina bayaki obongisa bongisa makambo bakotaka penda penda na bojindo na ngoma la mute. Je vais lire le prophète au paragraphe 115. Natanga Mosakole na paragraphe 115. Remarquez maintenant ici ce que nous voyons. Dalani sikoyo awa oyo tozali komona. C'est que cet homme ici c'est un nègre. Ezali ete moto yawa azali mbongo. Ça c'est terrible ça. Wana mata. Cet homme ici c'est un nègre. Mobali oyo awa azande mbongo. Cet homme mobali oyo. Cet être vivant que nous voyons apparaître maintenant. To ezali na bomo yoyo tozo mona komona na sikoyo. Ya ilaji di lion. Ezalaki na eleko ya nkosi. Et nous voyons que c'est maintenant le quatrième âge. Sikoyo tomoni ete ekomi eleko na mine. Et il a dit à Jean, viens voir le quatrième mystère du livre de la rédemption qui était caché dans ce livre. Alobaki na Yohane ete ya komona. Oyo libomba mina mine ina buku na lisiko ye bomba na kikati na buku oyo. Et Jean est allé voir. Yohani akendeki komona. Et il a vu un cheval de couleur pâle. Amona ki mbalata ya langi ya maya pondu. Et encore le même cavalier montait ce cheval de couleur pâle. Lisusu kaka momati na mbalata ango moko siko ya mateli mbalata ya langi ya maya pondu. Un cheval de couleur cadavérique. Oyo mbalata ya langi ya liwa ya ebembe ye bembe. Voyez mes frères, c'était un cheval de couleur cadavérique. Azali mbalata oyo azali na langi ya ebembe. Maintenant ce cheval c'est un homme. Sikoyo mbalata oyo akomi moto. C'est un homme maintenant. Il a maintenant un nom. Abianga misiko kombo akomi na kombo sikoyo. Et on l'appelle la mort. Sikoyo babiangi ekombo na ye biangami kufa. Aucun autre cavalier, aucun des autres cavaliers, toutes les fois que le cavalier chevauchait, il n'avait pas, l'homme en question n'avait pas de nom. Mais maintenant, il se nomme la mort.
Atamo matinambalata tamo kote banda e banda kitango bazoma tabambalata bazoma azoma tambalata azwaki nanu kombo teme koma matinambalata ya minei kombo na yesi koyo kufa. Il se révèle maintenant. Ami moni sisi go pole. C'est qu'il est. Ami moni sisi go yoyo yaza. C'est la mort. Azande kufa. Mais c'est tout un problème. Et comme il y kambo. Et les gens vont tout droit dans la mort sans se représenter ce que ça signifie. Batupe bazo kende balamoko inde nakufa bazo kanisate tina ya likambo bazo sal. Ils ne comprennent pas. Bazo so solate. Les gens vont tout droit dans les dénominations. Batu bazo kende inde nabibongisele ya mangomba. Or tous ceux qui s'opposent à la parole de Dieu, tout ce qui est anti-parole, c'est la mort. Il n'y a que des esprits qui agissent, la vie et la mort. C'est ce qui montre que la révélation de ces jours est l'exacte vérité. Tout ce qui est anti est la mort. Parce que la parole de Dieu, comme nous l'avons vu le vendredi passé, et dans Jean 6, verset 63, nous avons dit ceci. C'est Jésus qui a dit à ses disciples, ma parole est vie et esprit. La parole de Dieu, c'est elle qui est la vie. Et quand vous vous opposez à la parole, vous n'avez pas de vie en vous. Alléluia. Vous avez remarqué que les autres cavaliers n'avaient pas de nom. Non. Ils n'avaient pas de nom. Ils étaient sans nom. Mais celui-ci, kasi oy, on lui a donné un nom. Bapesi e kombo. La mort. Kufa. Si la parole dit une chose, soki lilo ba lilo bi, eloko mo. Et vous faites une autre chose, nde yo osali na yo eloko mususu, vous entrez dans la mort. Okoti mbala moko kati na kufa. Ça va être inaperçu. Tango yo okokota kati na kufa, comment on atate? Ça ne s'apercevra jamais. Et qu'on ta comment on atate? Vous êtes déjà dans la mort. Osio koti avec les jugements suspendus sur vous. Na kosambi sa mesie tepi tepi likolo na yo. C'est pourquoi vous voyez mes frères. Dans la tina bozo mona bande kona. Nous avons abandonné ce baptême là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons abandonné ce baptême-là de l'aspersion de l'eau sur la tête. Nous avons abandonné l'adoration des saints et adorer les hommes. Jamais. C'est une adoration païenne. Je répète ça. L'adoration des saints et l'adoration des hommes. Oh, Saint-Père, prie pour nous. Oh, Tata Mosantu Bondela Ponabiso. Sainte Marie, prie pour moi. Sainte Marie, Bondela Ponangai. Pourquoi je dois prier Sainte Marie, frère? Bon, Gana Bondela Sainte Marie Ponani. Pourquoi? Nabondele Ponani. Elle-même s'est embrouillée. Yé, moi, Boulunganaki. Toute la vie de Jésus. Bon, moi, y'a Yesu Mobimba. Je l'avais jamais appelé mère. Abenga et mamate. Il n'y a que vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu. Jésus lui-même n'avait jamais dit ça. Kaka bisonde tolobaka Sainte Marie, Maman Nzambi. Mais Yesu est moko aloba yangote. Prenez-moi, donnez-moi un seul verset du livre des Actes des Apôtres qui ont vécu avec Jésus, qui est avec Marie à la Pentecôte. Donnez-moi un seul verset où les apôtres ont adoré Marie. Ils ont adoré Joseph. Pesangaka verset moko ya misala na bantoma. Oye komami na bayeko libaye bafandaki na Yesu batambolaki na ye. Pesangali komyoyo bango basambelaki Maria. Moko kaka. Moi je peux vous donner 3 ou 4. Ngana okyo pesa yo
où Jésus lui disait femme. Abandai koloba na Maria mwasi. Mais c'est tout un problème, mes frères. Si les gens lisaient la Bible, soki batu batanga ka Biblia, Marie et Joseph, Maria na Joseph, ils ont pris Jésus na kamata ki à 12 ans. Na mibu zomi na mibali. Ils l'ont amené à Jérusalem. Ba memie na Jérusalem. À la fête de Pâques. Na oyo lipati na yelekeli. Et ils ont fêté. Bah, et il y avait la joie là-bas. Et les gens parlaient là. Bah, et ils prophétisaient. Les gens criaient. Bah, ils sautaient. Bah, et ça séduit les gens. Pour qu'ils oublient même la vérité. Mais c'est terrible ça, mes frères. Et Marie et Joseph. Et Maria na Joseph. Et tout le monde commence à rentrer chez eux. Bongo, Marie et Joseph. Marina Joseph, ils ont oublié la parole. Babosa ni liloba. Où? Babosa ni ango wapi? Dans le temple. Kati na tempe. À Jérusalem. Na Jérusalem. Et ils ont commencé le retour. Bango wana babandina bango kozongo. Et dans cette ambiance là, kati na loyenge wana, ils ont oublié la parole. Na loyenge wana Maria na Joseph babosa ni liloba. Ils ont commencé à partir. Babandiko ken. Au milieu du chemin, mais kati na nzela, Maria arrêté Joseph. Marie a tel ami Joseph. Il dit Jésus n'est pas ici. Alobi, yes, wazana, biswa, non, il est parmi ses amis. Hey, tam, so, non, il est parmi ses amis. Ay, a baninga, et Marie lui a dit non. Marie alobi, quand Jésus est là, tango, yes, wazawana, les choses ne peuvent pas être comme ça. Makambu, okay, ozalabu, est-ce que je vous dis la vérité? Alobi, nabino, solo, si Jésus est là, so, ki, yes, wazawana, vous n'allez pas vivre comme vous vivez là. Si Jésus est là dans votre cœur, vous ne vivez pas cette vie-là. Vous allez haïr ça. Marie lui dit, mais je ne crois pas qu'elle est là. Cherchons l'enfant. Marie lui dit, mais vous allez nous passer le temps. C'est Joseph qui lui a dit ça. Marie dit non. Marie lui dit, ils ont cherché. Baluki. Ils n'ont pas retrouvé la parole. À 12 ans, ils ont vécu avec la parole. Ils ont mangé avec la parole. Et Marie avait la parole. C'est à elle que l'ange avait dit. Que l'enfant qui naîtra sera appelé le fils du Très-Haut. Le Saint-Esprit découvrira de son ombre et tu enfanteras un fils. Et le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le fils du Très-Haut. Pas l'enfant de Joseph. Saint Joseph prie pour nous. Santo Joseph bondela pour nous. Jamais. Yeah. Et c'est elle qui savait toutes ces choses. Et Joseph a été convaincu par sa femme Marie. Ils sont rentrés à Jérusalem. Bongo, moi si na Joseph. Alongi Joseph koloba ete tozonga na Yerusalem pe bazo. Ils l'ont cherché partout. Balukia bisika bisi. Ils l'ont pas trouvé. Bamonie na Yerusalem. Marie a dit à Joseph. Maria lo bi Joseph. L'enfant partout ici il ne peut pas s'y trouver. Bon. Ce n'est pas son caractère d'être partout là-bas. Moi, dans les bars, dans les boîtes de nuit, là où on est en train de boire, là où les gens se chamaillent. Ce n'est pas son caractère. Bisika tozo lukaye mwana akokyo zwamawa. Deza nezaleli na yete yakozwama na babare na baboite de nuit na bangandate. Ce n'est pas son caractère de se trouver dans le stade de football. Ezali ezaleli na mwana te akende kozwama na libanda moto. Et puis dans les salles de cinéma. Na ba esika ya ba film cinéma. Ce n'est pas son caractère. Ezala kezaleli ya mwana. Même dit partout ici il n'est pas là. Joseph a dit, il n'est pas là. Joseph a lobé Azat. Mais où est-ce qu'on va trouver l'enfant Jésus? On a fait faire un communiqué à la radio. Marie lui dit non. Marie a lobé. Allons dans le temple. C'est là où on va le trouver. Mon frère, ma soeur, si tu me dis que tu restes à la maison. Si tu me dis que tu restes à la maison, Sokyo lobi nangai ete yo otikali nandako, en train d'écouter les bandes, ko banda ko koyo kaka ba bande, c'est bon. Eza malam. Mais Jésus ne sera pas là. Yesu akozala wana te.
Moi, Jésus est en train de vous dire la vérité. Nazolo belo solo. Parce que la Bible dit. Oh, Bible est le Bible. Il est bon que les frères soient ensemble. Ezali malamu bandeko ba fanda kelongo. Moi, j'ai dit amen. Nana lobi amen. Ne restez pas à la maison. Yo, koti kala kananda. Oh, pasteur, je vous suivais à l'RCM. Oh, pasteur, nabanda ko landa bino na RCM. Suivez RCM kanya pakirut. Landa RCM soki lo sambo ezate. Mais les jours de culte. Kasi mokolo na lo sambo. Venez ici. Yaka wana lo sambo. Parce que le prophète dit Jésus vient à l'église. Oh, mosakola lo biete Yesu ayaka na lingomba. Eh, ils sont allés dans le temple. Bakei na temple. Et ils ont trouvé l'enfant Jésus. Bakuti mwana Yesu. À 12 ans. Na mikolo na mbula zomi na mibala. Et il tenait une réunion. Azalaki ko sala likita. Et le président de la réunion ministérielle en ce jour-là, c'était un enfant de 12 ans. Bongo mokambi likita ya basali na nzambe ya mokolo wana. Ezalaki mwana moke ya mibu zomi na mibala. Il avait le rouleau entre ses mains. Azalaki na buku na maboko na. Et en train de prêcher aux sacrificateurs. Azote au docteur de la loi. Balakisi ya mobeko. Parce qu'il était la parole. Kwete ya azalaki liloba. Et on est venu à Jésus. Baye koloba Yesu. Ton père et ta mère te cherchent. Tata na yo na mama no ba oluka yo. Il a dit mais qui est mon père? Yesu atuni bango nani nde tata na ngai. Et qui est ma mère? Nani nda za mama na ngai. Sinon celui qui fait la volonté de mon père qui m'a envoyé. Soki kaka te oya zo sala mokano ya tata na ngai atinda ki ngai. Est-ce que son père était Joseph? Tata na ye kasitolo bazalaki Joseph. Marie. Maria, en tant qu'église, l'okola ecclesia, et Jésus, comme il était obéissant, pe yes, l'okola azalaki na botos, il a couru, il est sorti du temple. A potimbango abimi na tepe. Et il est venu. Pe aye. Maintenant Marie, siko Maria, est tombé dans l'erreur. A pay kati na libunga. Et il lui a dit, Maria lobi na ye, moi ta mère. Ngai mama na yo. Et Joseph ton père. Na Joseph tata na yo. Nous t'avons cherché. To luki luki. Et nous t'avons pas trouvé. Mais to zui yote. Comme il était la parole. Lokola Yesu azalaki lilo. Il a commencé à corriger Marie. Abandiko sembo la Marie. Il dit à Marie. Alobi Maria. Ne sais-tu pas. Oyebite. Et moi ici. Et ngai yo. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Et sengeli na tala nde makambo ya tata na ngai. Est-ce qu'il était dans la menuiserie? Azaki ndena menuiserie na mabaya. Parce que Joseph était charpentier. Kwete Joseph azaki mosali na mabaya. Est-ce qu'il avait un rabot à la main ou un marteau? Azalaki na rabot ou marteau na maboko. Qu'est-ce qu'il avait? Bongo azalaki na nini na maboko? Il avait le rouleau. Azalaki na mokanda. Il avait la parole. Azalaki na liloba. Et il enseignait la parole. Pe azalaki kolakisa liloba. Il s'occupait des affaires de son père. Azalaki kosala. Oyo makambu ya tata na ye. Il montra Marie. Azako la kisa Marie. Mais tu n'es pas ma mère. Yo za mama na ngate. Joseph n'est pas mon père. Joseph oza tata na ngate. Ne sais-tu pas que moi je dois m'occuper des affaires de mon père. Yo. Oyebite tenga esengeli na tala pena sala makambu ya tata na ngate. Et il a corrigé ça. Assembola ki ango. Parce qu'il était la parole. Kwete yazala ki liloba. La parole. Liloba. A toujours corrigé l'erreur. Lisembola katango nyoso libunga. Amen. Combien comprennent ça? Batoboni basosoliango. La parole. Liloba. A toujours corrigé l'erreur. Lisembola katango nyoso libunga. Amen. Amen. Moi j'ai dit moi-même amen. Ngana lobinga imoko amina. À 12 ans il a corrigé. Na mibuzo mi na mibale asembolaki. Et quand il est arrivé à la croix. Pe tango akomaki ne kulusu. Marie. Maria. Et Jean était là. Na Yohani bazalaki wana. Et il s'est tourné vers Jean. Abaluke pai na Yohani. Il dit fils. Alobi mwana mobali. Voici ta mère. Tala mama na yo. Et il s'est tourné vers Marie. Pe abongwane pa na Maria. Il dit femme. Albi yo mwasi. Voici ton fils. Dala mwana no mobali. Pas moi. Ngaite ou. Ton fils est là. Mwana no mobali yo wana. C'est une correction terrible mes frères. Ezali ko sembola moko ya kafu kafu bandeko. Et cela devrait corriger. Yango esengela ke sembola. Parce que c'est la parole. Pwete ezande liloba. Qui corrige l'église. Liloba nde sembola ka. Lingomba. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons subi la correction de la parole de Dieu. Nyoso tozalelo ezapoete tozwaki ko sembolama ya liloba na nzambe. Amen.
Amen. Écoutez maintenant le prophète. Sikoyo boyoka mosakoli. Le prophète dit ceci. Mosakola lo bibo. De fausses choses viennent avant. Ba makambo na lokuta yangonde ya kaliboso. Pour troubler la pensée des gens sur la vraie chose quand elle viendra. Ona ko bulunganisa makanisi na bato likolo na eloko ya solo tango yango ekomona na to ekoya. Les fausses choses oyo ya lokuta viennent avant. Ba makambo ya lokuta ya kanango liboso. C'est pour troubler la pensée des gens. Ezapo ete ebulunganisa makanisi na bato. Quand les vraies choses viendront. Tango ba makambo ya solo ekoya. Combien ont compris ça? Bato boni ba sosoli yango. Vous devez les noter dans votre esprit. Esengeli okoma yango na molimo na yo. C'est pourquoi du temps d'Élisée, il y a eu des gens qui avaient des manteaux d'Élie. Dans la tina na tango na Elisa. Mais ce n'était pas, il n'était pas des Élie. Même quelqu'un s'était fait enterrer avec une robe d'Élie. Avec le manteau d'Élie. Mais il n'était pas Élie. Non. Ce n'était pas Élie. Azalaka Élie. Jamais. Même Gamaliel. Quand on a arrêté Pierre et Jean, il a dit aux pharisiens, aux docteurs dans la loi. Gamaliel a lobaki na bafalusai, oyo balaki simobeko. Il a dit ceci. Alobaki na bangobo. Laissez ces gens libres. Tikani batoana somi. Qu'ils continuent à prêcher la parole. Tika bangobako bakote alilo. Nous avons vu beaucoup de gens qui sont venus ici qui ont dit nous sommes des Jésus, nous sommes des Messie. Ils ont mené les gens dans le désert et ils sont allés mourir, eux et ces gens-là. Tomonaki bato misusu bayaki awa koloba ete biso tozaba masia, tozaba Yesu, bamemaki ebele na bato na lisobe na bango na bato wana bake okufa kuna. Et ils sont allés mourir là-bas. Bakendeko okufa kuna. Si la chose vient de Dieu, soki likambo euti epa na Nzambe, nous courons le risque d'avoir lutté contre Dieu. Tokoyande kokota na likama ya kobundisa Nzambe. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, dans la tina, au moni lelo, il y a beaucoup de prophètes. Basako li batondi meke. Et beaucoup. Ebele. Et des femmes prophétesses. Na basi basakoli. Ce sont de fausses choses. Ezaba makambu ya lokuta. Un prophète, Mosakoli. Quand il vient de Dieu, soki auti epa na Nzambe, il a un vrai message. Azalaka na sango ya solo. Et le message. Si l'ana, Sokazana, ça va concorder avec la parole. Et koko kana na liloba. Alors là, nous saurons que c'est un vrai prophète. Wana tokoye ba etazali solo. C'est alors que nous le testons et nous saurons ce qu'il est. Wana ndeto kondimisa ye koloba etazali boye. Même si de fausses choses viennent. Ata ba makambu ya lokute ye. Suivez bien les prophètes. Siko bolanda posa. Je vais dans le paragraphe 126. Maintenant remarquez, ça saipi botala, pour mener à terme tous ces mystères, Dieu a promis qu'il y aurait un véritable Élie qui paraîtrait. Nzambe alakakete Elia ya solo akomonana. Un homme qui serait loin de cet esprit-là. Moto mobali moko oyo akopakola mana molimo ya Elia et qu'il révélerait pe oyo akomoni saye polele. Il a promis dans Malachi 4 alakaki ango kati na Malachi 4 ainsi de suite na bongo. Vous ne pouvez pas nier ça. Okokate ko wanga na yango. N'importe quel bon théologien sait que c'est la vérité. Ata muto ali kindoni ni ayebi ete makambo eza solo. Mais ça va se passer de la même manière que du temps des gens. Kasi esengela ke esengela esale makaka ndenge moko esala makana tango na Yohan. Jean. Yohan. Isaïe a prophétisé sur lui 800 ans avant. Isaïe a sakola ke likolo na Yohan mibukama mwambili boswaya. Il a dit quand il viendra. Aloba ke te tango akoya. Il va planir les vallées. Ako kitisa kotondisa balubwa et tous les chemins tortueux, il va les aplanir. Nyonso banzela oyo alukumba lukumba akobongisa nyonso. Il va aplanir cela. Akoye isango malam. Tout l'Élie a raboté.
400 ans avant sa venue, Malachi a prophétisé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Personne. Aucun membre de l'église l'a connu. Personne, mon frère. Aucun théologien. Même les disciples de Jésus. Et pourquoi tu dis ça, toi? Mais il est écrit que Élie doit d'abord premièrement venir. Mais ils ont pensé que Jean-Baptiste était Élie. Jamais. Jésus leur dit, si vous voulez le savoir, c'est lui. L'Élie qui devait venir. Est-ce que vous comprenez cela? Suivez maintenant le programme 129. Nous sommes en train d'aller pour arrêter. Dieu ne peut pas utiliser un homme bourré de théologie. Il ne peut pas parce qu'il va toujours y revenir. Théologie. C'est ce qui lui a été enseigné. Il est porté à revenir à ça. Théologie maliki ndo wanande balakisa ye. Attendenge nini akozongela susu kaka yango. Il peut voir certaines choses. Akoki komona boko makam. Il va d'abord chercher à revenir sur ce que ces prophètes lui ont enseigné. Akolukananu azongela likolo na mayele oyo balakisine balakisa kaye. Suivez maintenant les prophètes. Siko bolanda mosi. Il vaudrait mieux vous tenir loin de ces choses là et croire Dieu simplement. Ezali malamu pona yo otele mamusika na bambiloko wana ba makambo wana pe ondi manayo nzambe kaka. Un pasteur m'a téléphoné. Pasteur moko a téléphoné ngai. Pasteur, tu es déjà aussi allé en théologie pour avoir ton brevet de théologie. Osio kei na kelasi ya likindo po ete ozwa oya yo pe lokasa brevet diplome ya théologie. Parce que le ministre a dit tout le monde doit avoir son brevet. Po ministre asi alobi mutu nyonso ifazwa diplome na ya théologie. Je lui ai dit, na lobi na ye, nous sommes des chrétiens. Toza ba Christ. Nous sommes censés obéir à toutes les lois de l'État. Mais quant à la théologie, éloignez-vous de ça. Quand vous y allez, vous vous éloignez du chemin. J'ai dit ça aussi au pasteur. N'y allez pas. Soyez loin de ça. Botika la mosika na makambo ya kokende na likindo. Et reste avec la parole. Botika la kaka na liloba suka wana. Combien ont compris ça? Batoboni ba sosole yango. Merci beaucoup. Matonde mingi. Voyez, les disciples n'avaient même pas reconnu Jean. Ils n'ont pas pu le reconnaître. Oh, c'était terrible, mes frères. C'est pour écouter le prophète là au paragraphe 132. C'est pour ça que j'ai dit que ce sera pareil pour la résurrection ou l'enlèvement. Les fausses choses viendront avant. Suivez le prophète. Il va être passé. Et eux. Pe bango. Je sais que ça peut sembler bizarre. Peut-être vous le saurez après. Ce sera tellement secret que pratiquement personne n'en saurait rien. Le monde va simplement penser qu'il va simplement continuer comme si de rien n'était, vous voyez. C'est toujours comme ça qu'il fait. Bongo mokileko kanisa. Mokileko koba kaka lokola eloko ezata nangote bomoni kaka bongo nde ye asalaka. C'est pourquoi les gens font ce qu'ils veulent.
C'est comme si vous n'avez que cette terre pour vivre. Vous ne savez pas qu'il y a un enlèvement. Vous ne savez pas. Vous vivez comme s'il n'y a que cette terre. Et vous vivez comme si vous étiez le premier à vivre ici. Si je porte le costume aujourd'hui, les autres n'ont pas porté avant moi. Il n'y a rien qui est nouveau. Je pense que vous comprenez. Même quand Jésus est venu, il n'y avait même pas un dixième qui connaissait que Jésus est sur la terre. Mais quand Élie prophétisait, on ne les connaissait pas. Même au palais royal, on ne le savait pas chez Akab. On disait que c'est un drôle d'oiseau. On l'appelle comme ça. Je pense que vous comprenez cela. Donc c'est comme ça que quand cette chose glorieuse a lié le message de l'air avec un véritable homme venant de Dieu. Les gens ne sauront pas cela. Cela a été prédit dans la Bible. Souvenez-vous-en, il sera là. Ça, c'est le prophète qui parle. Il dit, je suis au paragraphe 135, c'est là où je vais m'arrêter. Il dit, souvenez-vous-en, il sera là. En sa saison. En son temps. Quand il parlait là, il était déjà là. Oui, le prophète était déjà là. Mais il parle comme s'il viendra après lui. Suivez ça. Il se peut que nous soyons en train d'imposer le fondement maintenant. Ce ne sera pas une organisation. Il parle de lui-même. Il dit, je suis en train de poser le fondement pour lui. Jamais. Mais quand il viendra, ça ne sera pas une organisation. C'est pourquoi le prophète dit, ce message ne sera jamais une dénomination. Mais un homme lui-même, il peut devenir une organisation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Combien veulent être bénis? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Combien ont écouté la parole? Combien aiment le message? Levez-vous et dites merci Seigneur. Pour Malachikat. Merci Seigneur. Pour nous avoir envoyé un vrai messager. Merci Seigneur. Pour nous avoir donné le salut. Merci Seigneur. Pour nous avoir envoyé le sang de Jésus. Le message de l'heure. Amen. Asseyez-vous. Bofanda. Asseyez-vous. Je voudrais prier pour l'église. Je voudrais prier pour l'église. Nalingi, na bonde la pone ecclesia. Mais avant de le faire, mon frère, ma soeur. Mais libosona ko sala yango nde komwasi nde komobali. Tu es venu ce matin. Yo, oyaki na tongwale. Peut-être tu viens ici souvent. Namsusu oyaka wa mbala na mbala.
Et tu as déjà écouté ce message plusieurs jours. Peut-être pas dans cette assemblée, mais dans une autre assemblée. Mais ce matin, Dieu t'a parlé. Et tu veux venir à lui. Je te dis comme Pierre a venu aux gens de la Pentecôte. Que repentez-vous. Et vous serez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Ce matin, y en a-t-il un qui a besoin d'aller dans l'enlèvement, qui veut se cacher sous le sang de Jésus-Christ, qui veut aussi participer à la résurrection d'entre les morts? Comme David, qui veut sortir de fausses choses dénominationnelles. Est-ce qu'il y en a un qui veut se cacher en Jésus-Christ? Si vous êtes avec nous ce matin, et que vous voulez sauver votre vie, mon frère, Dieu est en train de t'appeler. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Et viens donner ta vie à Jésus-Christ. Y a-t-il un fils de Dieu, une fille de Dieu qui a entendu Dieu lui parler et qui veut donner sa vie à Dieu maintenant, qui veut cacher sa vie en Jésus? Tu as erré longtemps dans le monde et dans les églises et tu n'as pas Jésus. Mais ce matin, tu veux cacher ta vie en Jésus. Tu as besoin de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et viens ici devant. Si tu es là, c'est Dieu qui t'appelle. Ne regarde pas ton prochain. Regarde à Jésus. Courbons nos têtes maintenant. C'est Dieu qui t'appelle, mon frère. C'est Dieu qui t'appelle, ma soeur. Madame, monsieur, mon fils, ma fille, ce matin, Dieu t'appelle. Au nom de Jésus-Christ. Viens donner votre vie à Jésus. C'est lui qui t'appelle. Si tu es là, mets-toi debout, sors, viens ici. Et Dieu va te donner la vie éternelle maintenant. Peut-être tu seras baptisé du Saint-Esprit maintenant. Je vois un jeune homme qui vient là-bas. Je vois aussi une jeune femme qui sort là-bas, qui vient. Et ils veulent cacher leur vie en Jésus-Christ. Jésus a dit la vérité. Nul ne peut venir à moi. À moins que mon père l'a dit. Et vous, mes frères et mes soeurs qui êtes dehors, Dieu vous appelle. Je sais que c'est un enseignement pour l'église.
Mais je vous ai présenté le sang de Jésus. Mais où êtes-vous? Venez vous cacher sous le sang de Jésus. Boya komi bomba na se makila ya Yesu. Venez confesser vos péchés. Boya koyambola masumu na bino. Sous le sang de Jésus. Na se ya makila na Yesu. Sous le sang de l'agneau. Na se na makila ya mwana na pate. C'est Dieu qui vous appelle. Nzambe nda za ko benga bino. Pas moi. Moi je suis votre frère. Nga na zanga kande kona bino mobali. J'ai pas la vie éternelle dans ma poche. Na zala kana bomo ina seko na libenga na ngate. Il y a aucun homme qui en a dans sa poche sur la terre. Motote oya zana ngo na libenga de na mokili oyo. Il y a aucun prophète. Mosako lipe mokote. Qui peut vous donner la vie éternelle. Oya kokio peso bomo ina seko. Il y a que le Seigneur Jésus. Obele nkolo Yesu. C'est lui qui peut vous rendre victorieux sur le mal qui a le pouvoir sur toi. Yenda koki kolongi sayo likolo na mabe oyo ezana bokonji likolo na yo. Jésus vous appelle ce matin. Yesu azobenga yo na tongo ya lelo. Ne quittez pas ce tabernacle sans donner votre vie à Christ. Komi mana mongo boyo te wano pesi na ino bomo inao na Christ te. Regardez partout où vous êtes allé. Tala bisika binso kendeki. Vous n'avez pas de victoire. Parce que vous étiez en dehors de Jésus. Mais ce matin, il est ici. La parole de la vie est ici. Venez sous le drapeau du sang de Jésus. Yaka na se abendele ya kolo ya makila na Yesu. C'est ce message que nous vous prêchons maintenant. Repentez-vous. Soyez baptisés chacun à chacun au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Dieu t'appelle. Zambe azo benga yo. Il t'appelle. Azo benga yo. Ne remettez pas demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Ozoa ome mapona lobi okoya te oyo likambo sengelo salango lelo. Faites-le aujourd'hui. Ya lelo salaka kalelo. Parce que demain. Oyete lobi oyo koya. Ça ne sera pas pour toi. Eko zala ya yote. C'est pour Dieu. Eza ya nzambe. C'est pourquoi nous disons si Dieu le veut. Dala tina tolobaka ete soki nzambe alingi. Parce que Dieu peut te prendre la nuit. Il peut te prendre cet après-midi. Quand sera-t-il de toi? Si tu avais écouté la parole et tu as rejeté Jésus, tu as refusé la vie éternelle. C'est tout. Parce que Dieu ne rencontre l'homme que sous le sang de Jésus. Pas sous le sang de Simon Kimbangu. Je vous laisse entre les mains de Dieu. Natikiyo na maboko ya Nzambe. Ce matin. Natongo. Si tu es un élu de Dieu. Soko zamo pona mimoko ya Nzambe. Si ton nom, si tu étais à Dieu. Soki ozalaki kati na Nzambe. Et ton nom est écrit avec le sang de Jésus dans le livre de vie de l'agneau. Pe kombo na yo ekomami na makila ya Yesu na buku na bomo ya mwana na pate. Tu écoutes, tu as écouté la parole. Oyoki liloba. Jésus a dit, yes, celui qui écoute mes paroles, yes, et qui croit celui qui m'a envoyé, yes, à la vie éternelle. J'appelle ceux qui ont écouté la parole, et qui veulent réellement avoir la vie éternelle.
Qui veulent sortir du monde. Qui veulent sortir des dénominations. Vous venez à Jésus-Christ. Vous venez se cacher. Sous le drapeau du sang de Jésus. Il y en a-t-il encore un? Avant que je prie. Si tu es là, ma sœur, si tu es là, mon frère, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, viens donner ta vie à Jésus. Celui qui a vécu la mort, qui a vécu la tombe, et le séjour de la mort, et il a pris le séjour de la mort, et il a pris captif. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo ya Yesu Christ. Lève-toi. Telema. Viens donner ta vie à Jésus. Yako pesa bomo ino na Yesu. La Bible dit. Biblia lobi. Quand vous entendez sa voix. Sokio yoki mungongo na ye. N'a dit si c'est pas votre cœur. Koye isa motema no makasite. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo ya Yesu Christ. Que le cœur de pierre soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo ya Yesu Christ. Que le cœur insensible à la parole de Dieu soit changé. Mitema oyo liloba na nzambe kotela ka bango te ebongwana. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo ya Yesu Christ. Que les chaînes de l'ennemi qui vous lient tombent. Ba minyololo ya monguno ekangisi yo ekata nekwea. Si vous rejetez l'appel de Dieu aujourd'hui, vous allez rester serviteur de Satan toute votre vie. Okotika la bombo inayo mobimba mosali ya Satan. Au nom de Jésus. Na kombo ya Yesu. Lève-toi. Yo telema. Viens donner ta vie à Jésus. Ya kopesa bombo ino na Yesu. Voilà encore une jeune femme qui vient. Dale lenge mwana mwasi mususu yewa na ye. Moi je vais arrêter là-bas. Ngana ko telemisa wana. Celui qui va rester, son sang va être sur lui-même. C'est Dieu qui vous appelle. Ce n'est pas moi. Au nom de Jésus-Christ. Que les brebis du Seigneur. Quand entendu la voix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Levez-vous. Et venez donner votre vie à Jésus. Venez remettre votre vie à Jésus. Voilà encore une autre jeune femme qui est arrivée. Dieu vous appelle. Voilà encore un jeune homme qui vient. Et pourquoi toi tu veux mourir dans le monde? Quand vous dites ma mère était catholique. Mon père était catholique. Papa nanga catholique. Mon père était protestant. Tata nanga moto na mission. Ma mère était baptiste. Maman nanga baptiste. Je mourrai baptiste. Na kokufa kaka moto na baptiste. Et réellement vous allez mourir. C'est un système antichrist. Voilà des jeunes hommes qui sont arrivés. C'est Dieu qui vous appelle. Pas moi, mon frère. Aujourd'hui, c'est le jour de votre libération. Que vous sortiez de toutes les fausses choses. Voilà encore une jeune dame qui arrive. Pourquoi toi tu veux mourir sur le banc de l'église? Oh nanini yo sepeli okufo fandi na ba ya lingomba. Alors que Dieu t'a lancé un appel gratuit. Nzokande nzambe abwakeli ombela ya ofele. La Bible dit. Bible lobi. Les derniers seront les premiers. Batu na suka bangonde bakozala batu ya liboso. Maintenant Dieu t'appelle. Siko nzamba zo benga yo. N'agirci pas ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Voilà encore un
jeune homme qui est arrivé. Voilà encore un autre qui vient là-bas. Mais toi, ma soeur, et toi, mon frère, là derrière, et toi, mon frère, là dehors. Ils sont deux maintenant. Mais comment toi tu peux rejeter la parole? Nous allons chanter maintenant. Moi je n'appelle plus. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Mais s'il y a encore un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu qui est resté, soki mwana moko na nzambe mwasi to mobali atikalaki, le Saint-Esprit ira le prendre. Molimo mosato akokende kokamata ye. Et vous le verrez ici. Eh bokomona ya yao. Si il est là. Soki nde azawana. Quelqu'un qui était à Dieu avant le commencement. Mutoi azalaki kati na nzambe. Avant que le monde soit créé. S'il y a une personne comme ça ici, il reconnaîtra la voix de Dieu. Et il viendra sous le sang. En dehors du sang. Libanda ya makila na Yesu. Le sang de Jésus. Libanda na makila na Yesu. Vous êtes en dehors de votre sécurité. Ozwami libanda na kobate la mama la muna. Vous n'êtes pas dans la protection. Ozate kati na kobate la ma. Dernier appel. Bela na suka. Au nom de Jésus Christ. Na kombo ya Yesu Christ. Toi le dernier qui est resté. Yo mutu na suka oyo tikalaki. Lève-toi. Yo moko telema. Et viens donner ta vie à Jésus. Ya kopesa bomo ina yo na Yesu. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Le diable peut vous montrer n'importe quel film. Des choses attrayantes. C'est pour t'amener à l'enfer. Mais ce matin, je t'ai présenté la parole de la vie. Celui qui a besoin de la vie éternelle, qui a besoin de la protection de Dieu, pendant que nous chantons, pour prier, il viendra. C'est le dernier appel. Mettez-vous debout. Mettez-vous chacun. Et nous allons prier. Donnez-nous de la musique. La Kila na Yesu, Makila na Yesu, Epe toli masumu nanga, O Makila, Makila na Yesu. Makila na Yesu, epe toli masumu na nyonso, nyonso penza na sala. Je vais prier. Si tu es en train d'hésiter, j'appelle pour la dernière fois. Tu voulais sortir, quelque chose t'a empêché.
Mais moi je t'ai dit, mon frère, ma soeur, donne gloire à Dieu et tourne les doigts à Satan. Sors de là où vous êtes et viens recevoir la vie éternelle. C'est le dernier appel. Si tu es là et que Dieu a touché ton cœur, viens pour recevoir la vie éternelle. Répentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus. Pour le pardon de vos péchés. Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Prions. Vous avez une demande à vous. Levez simplement la main. Celui qui est resté, son sang n'est pas entre mes mains. Oh. Voilà un jeune homme qui est arrivé. Que Dieu l'obéisse. Applaudissez le Seigneur pour ça. Merci. Je veux maintenant prier pour l'église. Vous avez un besoin, une requête spéciale. Levez simplement la main. Moi, je vais prier pour l'église. Prions le Seigneur. Certains ont besoin du Saint-Esprit. Certains sont malades. Et certains ont des besoins domestiques et familiaux. Tout ce dont vous avez besoin, levez simplement la main. Prions le Seigneur. Dieu est notre Père Céleste. Te remercions parce que tu nous as donné le temps de prêcher l'évangile. Bénis ton peuple ce matin. Bénis-les, Seigneur. Fais leur miséricorde. Et réponds à la requête de chacun. Et bénis-les, Seigneur. Que chacun d'eux retourne à la maison avec un panier de bénédictions. Que leurs enfants soient bénis. Que leurs femmes soient bénies. Que leurs maris soient bénis. Tous ceux qu'ils toucheront, que ça soit béni. Que ceux qu'ils mangeront soient purifiés par le feu de Dieu. Miséricordieux Seigneur. Bénis-nous ce matin. Sois Jéhovah Jireh pour nous. Et sois Jéhovah El Shaddai. Bezala Yahweh El Shaddai. Pour nous. Nous te prions, Seigneur. Toute maladie du milieu de nous. Et guéris ton peuple. Que chacun des Seigneurs sente ta présence. Qu'il sente ça dans son corps. Et la puissance de la résurrection. Et puis sinon qu'il est le corps d'un chacun. Pour la gloire de ton nom. Pour le protéger contre tout mal. Seigneur Jésus. Protège ton peuple. Sous le sang de l'agneau. Protège ton peuple contre les fléaux du temps de la fin. Quand tu passais en Israël pour exercer ta vengeance sur Pharaon et tous les habitants, tu avais dit à Moïse, il mord l'agneau. Et mettez le sang sur les linteaux et les poteaux de la porte. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Et je te prie ce matin en tant que berger. Je te demande, Seigneur Jésus, de nous couvrir tous. Et pas seulement nous ici. Toutes nos aiguilles. Couvre-le de ton sang.
contre tous les fléaux du temps de la fin, contre des maladies incurables, des maladies chroniques. Ouvre l'eau de ton sang pour la gloire de ton grand nom. Nous te le demandons ainsi au nom de Jésus-Christ. Dieu est notre Père. Je te prie ce matin au nom de Jésus-Christ que les démons de l'ombre de la mort au nom de Jésus-Christ, les démons de la mort brisque, les démons de contagion, de virus et de fléaux du temps de la fin, au nom de Jésus-Christ, qu'ils sortent de la ville de Kisangani. Couvre toute la ville de ton sang. Que l'ombre de la mort quitte la ville. Que l'ombre de l'obscurité quitte la ville de Kisangani. Et retourne dans les lieux enténébrés. Et retourne dans les abîmes des eaux. Et que ça retourne chez son propriétaire originel. Lui, Satan. Yes, Satan. Nous te demandons, Seigneur, de couvrir toute la ville de ton sang. Oh Dieu, que la lumière de l'évangile puisse chasser l'ombre de la mort loin de cette ville et loin de tes enfants, qu'ils soient sous la protection du sang de Jésus pour ta gloire à toi, Seigneur. Te le demandons ainsi au nom de Jésus-Christ. Dieu est notre Père. Regarde les mains levées vers toi. Derrière chaque main, il y a une requête. Accorde une réponse appropriée à chaque requête. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Bénis les âmes qui sont devant moi. Moi, je ne peux pas les sauver. Mais je leur ai montré le chemin de la vie. Et ils sont venus. Ils sont venus à toi, le Seigneur Jésus. Toi qui as venu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par moi. Et maintenant ils sont venus à toi, Seigneur. Qu'ils aillent vers le Père. Conduis-les, Seigneur. Tiens-les par la main. Baptise chacun d'eux de Saint-Esprit et de feu. Pour ta gloire à toi. Nous te demandons toutes ces choses ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Bénis les dîmes et les différentes offrandes qui seront données. Pour ta gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez le Seigneur Jésus. Et donnez de la place à nos frères. Bopesa bandeko na biso yo bisika ya kofanda. Donnez de la place. Bopesa bango bisika ya kofanda. Afin qu'on aille dans d'autres services rapidement. Pe liboso ete tokota na musala mususu. Afin qu'on aille dans d'autres services. Po ete tokota na misala mususu nokinoki. OK. Avant de venir le mariage, liboso na pambola libala, je voudrais que les diacres donnent les paniers d'offrande rapidement pour ramasser l'offrande ordinaire maintenant parce que nous avons des offrandes. Nalingete ba diacre ba pesa bikolo ya makabu pete tolo kota makabu oyo to pesa ka mokolo na losambo po lelo tokozala na makabu mibale. Nous avons l'offrande de l'offrande ordinaire. Tozana ino na makabu to pesa ka mokonyoso na losambo tango toye. Et puis nous avons l'offrande de l'évangélisation. Pe lelo toko pesa sima likabo ya kopalanganisa sango malamu. Et l'évangélisation coûte cher. Pe aujourd'hui. Ça